Je peux essayer? Oui. Bonjour. J'aimerais poser votre question verbalement par l'intermédiaire de l'interface de mon... Arrêtez votre numéro de maîtresse d'école. C'est seulement un hologramme basé sur une femme lantienne qui vivait il y a 10 000 ans. Je connais bien ce programme, il n'a pas changé. Question. Qui est la personne sur laquelle est basé votre avatar et quel est le but de ce programme? J'ai été créée par Ganos Lal à son image dans le but d'éduquer les jeunes esprits. Qu'est-ce qui vous fait penser calmement? Pour commencer, elle nous a dit exactement ce qu'on voulait savoir. C'est vrai. Vous pourriez utiliser l'interface pour lui faire répéter une phrase qu'elle a prononcée tout à l'heure. Ouais. Alors repassez-nous la dernière chose qu'elle m'a dite avant de disparaître. Vous avez la réponse, alors agissez en conséquence, Daniel Jackson. Tenez, vous voyez là? Elle a complètement changé de ton et fusiller Daniel du regard, ça m'a fait peur. Mais enfin, je vous avais averti qu'elle prenait parfois les gens de haut. Vous disiez aussi que cette pièce consommait beaucoup d'énergie. Est-ce qu'il serait possible de savoir quelle puissance a été utilisée? Oui, salle de contrôle, ici Ware. Quelle est la quantité d'énergie consommée par la salle holographique aujourd'hui? Par l'éclairage de la pièce, il n'y a rien. Et voilà. On vous a eu. Je vous prie de l'excuser, Dr. Jackson. Inutile, Dr. Ware. C'est moi qui vous dois des excuses. L'explosion pulvérise les deux portes si nos calculs s'en font. Il n'y a que 5, maximum 7% de chance, ça va aller. Je vous remercie, Rodney, c'est rassurant. Coordonnées verrouillées. Téléportation de l'ogive dans 5, 4, 3, 2, 1, maintenant. La seconde tentative a échoué, elle aussi. Néanmoins, de l'énergie est passée entre notre porte et la porte dorée.